Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Et merci Chocobo pour le reste pour les 49 mois. Merci beaucoup. Et bonjour YouTube. Merci beaucoup. Re-bienvenue. Alors YouTube, nouvel épisode. Nouvel épisode YouTube. On continue. On va aller voir la vieille Clodo là. On va aller voir la vieille Clodo. Mais on va prendre ce qu'il faut pour faire le pont. Donc qu'est-ce que j'ai sur moi déjà? J'ai des planches. J'ai des dosses. J'ai des piquets en bois. On va prendre également ça. Ça au cas où il y en a besoin. Je pourrais éventuellement peut-être avoir besoin de ceci. Je pense que j'ai tout pour le... Je pense que j'ai tout pour le pont là. Des clous ? Plus de clous ? Et merci Cool Zero pour les 54 mois. Merci beaucoup, re-bienvenue, ça fait plaisir. Es-tu le plus ancien abonné ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils sont à 56 ou 57 mois les plus vieux. Tu peux le voir dans la description Twitch si t'es sur PC. Et un de plus, comment PC, ça va ? Suis-je le plus ancien abonné ? Si t'es sur PC, je crois. Tu peux voir qui est le plus vieux. Mais t'en es pas loin en tout cas. Tu dois être dans les 5 ou 6 premiers. Merci beaucoup pour le resub en tout cas. Ça fait plaisir. Il m'en faut 6. J'en ai 6. 55 mois le plus vieux. Ah bah t'as un mois près du coup, Cool Zero. Et comme on peut voir, t'es à 54 mois d'abonnement, dont 53 mois consécutifs. Si t'avais pas raté le mois, si t'avais pas raté un mois, le deuxième mois de Twitch, t'étais dans les plus vieux. Mais t'es dans tous les cas dans les plus vieux, clairement. Merci beaucoup pour le resub. Allez, j'attends juste ça. Des planches, il me faudrait plus de... Non, 23 planches, j'ai bien ce qu'il faut là. Voilà, paf. On fait donc des clous. Le chat. Merde, il y a le chat. Au revoir le chat. C'est vrai. Allez, du coup, on va aller voir la vieille Clodo. Faire le pont, comme ça, ce sera fait. Et on attend toujours le jour du dimanche, hein, le jour du Seigneur, pour faire Wololo et avoir de la foi. Parce que là, du coup, c'est ultra chiant, ultra long, ultra casse-couille, ce chemin. Alors si, même si vous n'êtes pas sub, vous pouvez faire Wololo. Si vous avez assez de points pour débloquer l'emote Wololo, vous avez assez de points. Vous pouvez faire Wololo même sans être sub. Non mais par contre, il va faire nuit, il me dit pas qu'elle rentre. Et 7h du matin. Ok, c'est bon. Un ami oiseau m'a dit que vous aviez un jardin. Est-ce exact? Ouais, je fais pousser quelques plantes. Accepteriez-vous d'aider une vieille dame? Je passe mon temps à aider tout le monde ici. Bon, de quoi avez-vous besoin? D'une citrouille. Une magnifique citrouille. Et en retour, je vous apprendrai à faire de la soupe de citrouille. Ok. Mais c'est pas ça que je voulais, moi. Merde. Une potion de soin, une ou chaudron ou la citrouille de bonne qualité. Fuck. Du coup, elle peut pas m'aider encore. Mais je peux faire le pont. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Ouais, nice. C'est Silveroid. Hey, il rend bien le As avec le chapeau de Noël. Technologie requise. Ok, non mais c'est bon. On a fait le pont. Ah, poser trois planches au-dessus d'un marais. Le mec, il pouvait pas se mouiller les pieds, quoi. On avait... La vieille Clodo nous avait débloqué l'alchimie aussi. On peut aller voir ce qui se passe avec l'alchimie. Ah, on fait l'encre dans l'alchimie. Mais il me fallait des trucs en plus. Mais c'est pas grave, on peut faire déjà... déjà aller voir ça. Table d'études. Établi d'alchimie. Il me faut des fioles coniques avancées. Putain, des trucs avancés. Broyeur alchimique. Il me faut de la brique de pierre polie. Établi de l'église. Établi d'église, je l'ai, ça. Bureau. Oui, établi d'église, j'ai. Bureau, étagère, parchemin. Ok, bon, j'ai tout ce qui... Tout. J'ai tout. Mais j'ai pas les... ce que je peux pas faire. Ok. Putain, elle rend bien aussi, celle-là. Elle rend bien aussi, ouais. Alors, il nous a donné des graines de citrouille ou pas? Pas du tout. Merde, j'ai pas déposé mon merdier. Alors, on va déposer ça, ça et ça. Attendez, qui avait... il y avait quelqu'un qui avait besoin de miel, non? C'était le... Pas la vieille Cloto, c'était le Creuseur. 5 pots de miel, ok, j'en ai qu'un. Bon, je sais pas trop ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voyons voir les technos, qu'est-ce qu'on a de dispo? Il faut beaucoup de bleu, hein, globalement. Plate-bande avec bâton, donc je peux me mettre un coffre. Je peux repiquage, emplacement pour pommier, emplacement pour buisson AB. Recette de miel. Ah, récolte de cire d'abeille. Ok. Au niveau du de la forge. Bon, que du bleu, plus une armure et une épée, mais on s'en fout pour le moment. Là, il me faut du bleu, il me faut du bleu, il me faut du bleu obligatoirement. Du bleu. Du bleu partout. Et du bleu, de toute façon, j'ai pas de corps. Ok. Eh bien, il y a des trucs que je peux construire ici, genre des trucs de pierre, non? Enclume de bois, enclume, réserve de bois, chevalet, bio, établi à bois, c'est circulaire, réserve de pierre, coupe-pierre, j'ai pas de coupe-pierre. Que je ne peux pas tourner d'ailleurs. On va mettre un coupe-pierre ici. Allez. Ok, donc là je peux m'occuper de ça, je peux faire des kits de réparation en pierre, je peux faire des pierres tombales, ok. Donc là on a du caillou. J'ai pas trop. Qu'est-ce que je fais là? Que fais-je? J'ai pas de quoi faire de l'huile, faudrait que j'aille en acheter. Faut de la techno. En fait, là, il faut que j'attende déjà le jour du soleil pour faire mon sermon. Faudrait que j'achète de l'encre aussi le jour de la lune. Mais j'ai pas de thunes. J'ai pas grand chose à vendre actuellement. On va couper un peu de bois. En attendant le jour du soleil, on va récolter des ressources, faire des stocks. Eh, j'avoue que les émotes, elles rendent bien. Hein. Non, ils sont trop petits, ces arbres. Hein. Non, c'est bon, ils passent.
on stocke ça. Chocobo. Ça va, t'inquiète, ça revient vite les points. Hop. Ça c'est pas coupable, celui-ci oui. Même le GG avec le chapeau de Noël est pas dégueu, hein. Il est un tout petit peu petit. De points. Ah, je l'avais déjà vu, Ludo, il y a déjà quelqu'un qui l'avait fait. Qu'est-ce qu'il... On peut se faire quoi? Des dos. Je peux me faire des clous et des pièces en fer simple. On va déjà faire ça. Ça nous épuise, hein. Comme ça on va pioncer. Faudrait qu'on fasse de la bouffe aussi. Mais j'ai plus de sous. Ah, peut-être qu'avec les carottes, tu peux faire, peut-être faire quelque chose. Bonjour Nico. Est-ce que j'ai une recette à base de carottes? J'ai plus de... Je les ai vendus mes carottes ? Oh, je sais plus. De toute façon, il me faut des choux et du sel, donc j'ai pas encore. Non, rien avec les carottes. Et ici, je peux pas directement mettre des carottes au... Ah si, je peux mettre directement des carottes au... Ok. Mais mes carottes ne sont pas là. Mes carottes, je les ai stockées ici. Là. Ouais, je pense que c'est un peu contre-productif. On va plutôt les garder comme ça pour le moment, mes carottes. Garder mon miel aussi. Début du journée de la, du jour de la lune. Est-ce que je peux faire des choses déjà bien ici? Je pourrais faire quelques planches en bois. Pas perdu probablement. Ah oui, j'ai mon bio en haut à droite aussi. Faut que j'aille faire des trucs avec ça, moi. Enfin, ma, pas mon bio, ma, c'est circulaire. Bille de bois, poutre. C'est les poutres qu'il me faut. Ils sont longs et chers à faire, donc autant les faire maintenant que j'ai besoin de faire passer le temps. Une journée et on va pouvoir faire le sermon. Si le sermon passe, on aura les la foi. Je tactique, je te recommande de garder les carottes pour les livraisons de l'âne. C'est vrai que l'âne il va en demander à chaque fois. Ok, nous avons récupéré des trucs et des machins et des bidules. On va déposer tout ça, déposer ça, déposer ça. Bah, il n'y a plus de place. Ça reste pas ici. Ça reste pas ici. Ça restera pas ici. Ça, on redépose. Ça va aller à l'intérieur.
La solution du chaos, ça ira probablement à l'intérieur, et ça, ça ira également ailleurs, et ça aussi. Quoique non, ça, ça peut rester ici, je pense. Et, on s'impose les dents. Ici, on dépose la flotte. On peut peut-être faire de la bouffe avec les asticots. On dépose ça ici pour le moment. Allez, je me repose, on va aller en souterrain. Et on devrait être bon. Je vais voir, peut-être que mon jardin, je peux l'exploiter. En attendant. Oui, mes carottes sont poussées. Mais oui. Là. Et du coup, je peux planter les carottes. Oui. Je peux pas faire ça. J'ai pas débloqué ça, je peux le faire. Jardiland. Ça. Ça aussi. Bon, je peux même faire ça, hein, tant qu'on y est, on a beaucoup de points. Donc là, normalement, je peux mettre une malle, il me faut des clous et des dosses. J'ai plus de clous du tout, en fait. On pourra stocker toutes nos graines et tout notre merdier par ici. Ça, ça, et c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Ok. Maintenant. Et ben maintenant, je peux juste aller dormir et c'est bon en fait. Et on est jour du sermon et tout est très bien. Ça va presque être l'heure du sermon, le temps que j'y aille, ce sera bon. Le problème, c'est que l'âne de ses morts, c'est lui qui va me faire avancer le jeu. Donc on est obligé de servir ce vilain. Alors il me faut mon sermon. Ça va être bientôt l'heure. Je peux pas faire de trucs en plus ici, je pense, pour le moment. Si, je pourrais faire un hôtel en bois. Avant de faire le sermon, je vais faire un hôtel en bois. Faut des planches et des bûches. En plus, ça rapporte de la thune si je vais leur parler. Des fois, ils vont au confessionnal. Donc ça et ça. Ouais, peut-être que les candélabres effectivement ajoutent aussi des points même sans bougie. Mais là déjà le confessionnal c'est 5 points je crois. Ce qui est plutôt raisonnable. Là c'est 1 point le candélabre sans bougie. Ah mais non mais attendez. C'est pas le confessionnal, ça, c'est l'hôtel. Confessionnal, ça coûte rien, en fait. Merci, Tigre de Fer pour les 108. Bonjour. Confessionnal, j'ai plus assez. Ok. Par contre, les candélabres. Candélabres murales. Ah, j'ai pas encore la place pour mettre les candélabres murales. Les candélabres normales. Normaux. J'ai. Il y a des bancs d'église, j'ai encore un slot. Voilà. Et on est passé à 9. Ah oui, j'ai pas construit ça encore. C'est les vacances, Tigre de Fer, normalement. Et ça y est, on est passé à 16. Correct. Allez, c'est l'heure du Wololo. C'est un reset, Blood Nether. Je souhaiterais prononcer quelques mots, notre église est merveilleuse. Wololo. Wololo, wololo, wololo.
Tous les dons sont les bienvenus. Ok, il y avait vachement plus de monde. J'ai pas récupéré la thune, je crois, au dernier serment. Bon, il était moyen le serment, par contre. On a pas beaucoup de thunes. Succès. Chance de succès 100%. Bonus de foi 2. Ok, donc on doit avoir la foi maintenant. Il m'en faut 5. J'ai ce qu'il faut. Donc il faut que j'attende la nuit. Est-ce que j'ai des choses à faire ici? Je ne crois pas. Donc on va... Qu'est-ce qu'on va faire? S'occuper un petit peu ici. Faut que je refasse des trucs et des machins et des bidules. Genre déjà ça, faut que j'en refasse. C'est long, faudrait presque que je me fasse un deuxième four. Surtout qu'après on a d'autres trucs à cuire. Ça me coûte quoi de faire un fourneau? De la pierre, j'ai pas assez de pierre. J'ai la gisement de fer, de pierre qui est pas loin. Au pire, j'en récupère là-dessus. Hein. J'ai la faim. Eh, j'ai la faim aussi là. J'ai la dalle. Le Sudo a fait des hot dogs tout à l'heure. Ça sent bon dans la maison. J'ai eu faim. Il y aura des VOD YouTube, oui. Absolument. Absolument. Ça commencera demain, je pense. Ok, et du coup je peux lancer un deuxième fournal. Oui je sais Guillaume, mais c'est compliqué, à l'horizontale c'est compliqué. À verticale ça se fait, mais à l'horizontale c'est compliqué. J'ai plus de bois pour le bois de chauffe, donc on va donner quelques piquets. Voilà. Du coup, il va faire nuit. Je vais dormir un peu pour que ce soit pleine nuit et go. Salut Zazak. Je prends beaucoup de place. Je crois pas, non. Non, je crois que c'est vraiment un jeu pas énorme. Bon, on fait toute la nuit. Enfin, on se repose complet. Ok, maintenant je peux normalement... C'est peut-être pas ça du tout. Essayez de le convaincre. Je n'ai rien contre vous. Je pourrais peut-être même vous aider. Ah, vous m'avez l'air inutile, mais aussi inoffensif. Aidez-moi à ouvrir cette grille. J'ai des instructions et apparemment, j'aurais besoin d'une clé. Mes rossignols ne fonctionnent pas. Apportez-moi la clé et nous parlerons. Fabriquez-en une ou vous trouvez là. Je m'en fiche. Et ben voilà, parfait. On a effectivement ce qu'il faut. Ok, j'ai moi aussi besoin de quelque chose qui se trouve de l'autre côté. Je vais essayer de vous aider. Vous pouvez prendre ces instructions. Eh ben parfait, on a les instructions. Et donc maintenant, est-ce qu'on a assez de foi? Dis-moi qu'on a assez de... Non, c'est pas de la foi en plus, hein, je crois. Dis schluss. J'ai pas la schluss, c'est sur moi. Faut que je la récupère. Vite, par contre, avant la fin de la nuit, ce serait top. J'ai ce qu'il faut. J'ai la clé. I got the key. Ne t'en va pas. Ne partez pas, monseigneur. Hop là. Donnez la clé. Oui. Voilà la clé. Enfin, une bonne chose de faite. Ok. Allez-y en premier. Ils vont voir si je suis un bon arien. Je vais leur faire avaler leur air insuffisant. Leurs airs insuffisants. De qui parlez-vous? Mais de tous, tous ceux qui vivent dans cette ville maudite, tous ceux qui ne croient, qui se croient meilleurs que moi, tout ça parce que j'ai
tout ça, j'ai pas vu quoi. Ah! C'est chaud, ça brûle, c'est chaud, chaud, ça brûle, on s'est cramé le cul. On est mort. Vous êtes mort. Ok. Que s'est-il passé? On dirait que je suis en vie, mais de retour à la maison. Vu les circonstances, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Je dois y retourner pour mettre la main sur ce journal. Oberon, j'avais envie. Non, c'est pas Oberon, c'est Bloodgender. J'avais envie et il y a du nouveau contenu. Oui, il y a deux DLC qui sont sortis depuis que j'y ai joué. Un gratuit, un payant. J'ai les deux. Et notamment, là, il me semble qu'on va voir le contenu du DLC. Un des contenus du DLC. Oui, bien. Comment avez-vous fait? On sait rien, je suis juste retourné dans ma hutte. Évidemment, je devrais avoir l'habitude. Les autres ont toujours tout. Vous n'êtes qu'un pathétique crétin et pourtant vous êtes immortel. Ce n'est pas juste. Je vouais... Pardon? Je vouais... Tiens, je vais le noter. Gardien de cimetière ne peut pas mourir. En fait, je pourrais avoir besoin de votre aide. Maintenant que vous êtes là, avec vos pouvoirs d'immortel, je n'ai plus aucune envie de mourir dans ce donjon. Quel donjon? Mais juste là, il était déjà là, bien avant cette église, et personne ne sait jusqu'où il s'étend. Autrefois, on coulait des hératiques au mur, puis on leur écorchait les jambes, c'était avant l'ancien contrat. Quoi pourrais-je vous aider? J'ai mes sources, donc je sais toujours retrouver ce dont j'ai besoin. Et à ce stade de mon projet de vengeance, de nombreuses choses dont j'aurais besoin se trouvent dans ce donjon. Tout d'abord, il me faudrait un seau de sang, et 5 clous ensanglantés, vous devriez pouvoir les trouver dans les premiers niveaux. Là où les païens se faisaient torturer. Je me souviens pas du tout de cette partie. Drôle de gémissement. Il y a quelqu'un appelé à l'aide. Il y a quelqu'un? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bien des choses se cachent ici, mais bon, je n'ai que faire de ce qui n'a aucun rapport avec mon plan. Je devrais jeter un œil. Le truc attaché au mur! Oui! Oh, crevin diou! Je n'aurais pas dit mieux! Quelle agréable surprise! Je commençais vraiment à désespérer de revoir un jour quelqu'un. Vous êtes en vie? Vous avez besoin d'aide? Disons que je suis conscient. Ce n'est bien aimable à vous de me reposer votre aide. Je me nomme Gunther. Est-ce qu'on lui fait un accent allemand? Il te ferait y avoir un levier quelque part sur la droite. Il y a un levier trouvé. Génial! Je suis surpris qu'il fonctionne encore! À présent, pourriez-vous avoir l'amabilité de me frapper un peu avec votre épée? Puis je vous pose une question d'abord. Frappez-moi d'abord, cela fait si longtemps que je ne ressens plus rien. Gunther, frappez Gunther avec l'épée. Plip. Encore? Non, c'est bon. Oh, ça fait du bien! Ma première sensation depuis bien des années. Je serais heureux de répondre à vos questions à présent. Qui êtes-vous? Comme je vous l'ai dit, je suis Gunther. Vous êtes mort? Difficile de vous répondre simplement. Personnellement, je préfère être considéré comme une personne transconditionnelle. Mais dans la culture populaire, on nous appelle des non-morts. Pourquoi m'avez-vous demandé de vous frapper? Autant mon état actuel, je ne ressens absolument rien. Au début, ce fut un véritable cauchemar. Et puis, j'ai fini par redécouvrir que je pouvais encore ressentir la douleur. Enfin, la sensation est différente de la douleur. C'est plutôt comme une douce prise. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Joie d'Ablou. Je peux encore vous frapper si vous voulez. C'est très gentil de votre part, mais je me dois de refuser. Après tant d'années, vos coups m'ont procuré un plaisir intense. Il me faudra probablement plusieurs années avant de pouvoir à nouveau ressentir quelque chose de similaire. Et puis, il me reste bien trop peu de chair sur les os pour la cacher ainsi. Comment êtes-vous devenu un transconditionnel? Grâce à la science et à la magie, un peu. C'est le vieux maître qui m'a créé. Et... pas que moi, nous étions assez nombreux à une époque. Mes frères travaillent-ils toujours au cimetière? Je crois qu'il n'en reste plus que vous. Avant de ça, je suis le nouveau gardien du cimetière. Oh, mais alors vous devriez me créer un de nouveaux frères. Ils vous seront de grande aide.
Quand puis-je créer des nouveaux transconditionnels? Oh, cela n'a rien bien de compliqué. Rien de bien compliqué. Vous pourrez trouver les plans d'une table de résurrection sur le râtelier à votre gauche. Vous pourrez également rester dans les parages quelques bouteilles des principaux ingrédients utilisés lors du rituel de résurrection. Vous pourrez de toute façon me fabriquer avec votre établi d'alchimie. Connaissez la recette? Eh bien, le second ingrédient, c'est du sang. Pour le premier, je ne suis plus trop sûr, mais je crois que c'était une espèce de poudre. Ce ne seront-ils comme vous? Hélas, non, je suis unique. Quelque chose a cloché dans mon cas, j'étais trop intelligent. C'est pour cela que le vieux maître m'a enchaîné ici. Je faisais un peu tâche. Je peux vous détacher. Je suis resté enchaîné ici depuis bien trop longtemps, ma chair est trop pourrie. Et puis bon, j'ai fini par m'habituer à la vue. Quoi, vos frères pourraient-ils m'être utiles? Oh, ils pourront accomplir de menus travaux pour vous. Si vous leur fournissez l'équipement adéquat, ils pourront récolter les ressources pour vous et même les transporter. Quel genre d'équipement? Il me semble que Zombie devrait être enseveli sous les rochers du chemin qui mène à la forêt. Vous pourriez le déterrer et examiner son équipement. Ok. Pardon YouTube pour cet accent raciste. J'ai ma table de résurrection. Nous avons du jus de zombie. Ok. Il n'y a rien de tout. Donc on a le schéma. Est-ce que... Ah mais oui, c'est bien ce qui me semblait. On peut péter les trucs. C'est vrai. C'est quoi ça? Ok, on peut ruiner les... Démonter tout ça ici. Là, il n'y a rien. Je peux rien péter. Péter ça. Ça, non. Ça non plus. Non mais c'est le youtubeur Stardust qui a fait une vidéo dernièrement où il racontait l'histoire d'un Allemand qui avait bossé à la NASA. Et il s'est fait traiter de raciste parce qu'il avait fait un accent allemand. Débile hein les gens. Aujourd'hui sur internet on peut plus rien dire. Plus rien dire, plus rien faire. Ok, il n'y a rien d'autre ici. J'ai l'inventaire plein, donc on va pas descendre dans le donjon maintenant. Qu'est-ce que je peux faire de beau ici? Ah oui, il fallait qu'on construise, voilà. Il fallait qu'on construise des trucs ici. Alors par contre, le chemin qui va en direction de la forêt... Elle est où la forêt? On peut étudier quelques petits trucs, genre... Du bleu, on a besoin de bleu. De bleu. C'est ça le farming moins chiant, exactement. Ça, c'est ces zombies. Ok, j'ai pas assez de fois pour ça. On peut faire ça. Ça nous fera des points. On va faire de la place dans l'inventaire. Et on va aller explorer un petit peu. On dépose ça. Attendez, qu'est-ce qu'il me faut pour le... Genre à main, table d'étude. C'est pas ici du coup que je le crée. C'est pas ici que je le crée. On va déposer ça, on va déposer le journal. Ah, journal du gardien! C'est ma quête, attendez. C'était pour qui? Activer le portail. Trouver un zombie. Dans les débris à l'entrée des bois. Ok. C'est pour l'astrologue. Donc jour de la lune. Fuck. Fuck, bon, on va le déposer pour le moment. Je vais déposer ça aussi. Et on va descendre. On va faire l'accent suisse, on taxerait de raciste. Ah, bah clairement. Très clairement. Non, mais c'est internet. Hein. Les SJW. Ils sont plus casse-couilles qu'autre chose. Allez, on descend. Premier étage. Oui. Alors je me souviens plus du tout de cette partie du donjon. Enfin cette partie du jeu, pardon. Merci pour les bibites. Bonne soirée, oui. Bonjour Enix, ça va bien. Ok, y a rien d'autre ici. Manger de la bouffe. On peut manger. Il y a des bites. Et ça au prix. Oui.
te tuer. Merci. Ok, c'est... on va peut-être commencer à avoir besoin de l'armure. Hein. Et d'une meilleure épée, parce que bon... mais 8 ans à buter un mob. Mais on récupère du merdier, c'est bien. Ça, on peut pas péter, on peut pas péter. Rocari. Rien par ici. Alors que je refasse la bouffe, hein. Oh, potion de soin. Nice. Yeah. Au pire, si on meurt, on ne perd rien, donc c'est même peut-être pas plus mal. Ça retour plus rapide, hein, si on meurt. On va juste remplir son inventaire et ensuite on va se suicider. Après, non, si je. Si je termine l'étage, après je pourrais reprendre à l'étage 2 les prochaines fois. Donc on va au moins essayer de terminer l'étage. Bah voilà, plein de merdier. C'est ça qu'on n'a pas besoin d'utiliser en fer. Hein. Mais on avait besoin de 100. Et 100, on n'en a pas trouvé. Par contre, je vais utiliser une potion. Manger un peu. Il est où? Je sais pas où elle est. Elle est là. Ici, rien par là, ça je peux démonter. Oh oui, donc on avait la descente qui était là-haut. On va quand même finir de clear l'étage. Pas non. Si il a encore ça à péter. Et on passe à l'étage 2. Je dois avoir tué tous les ennemis. Ah pardon? J'ai pas. J'ai raté un chemin. J'ai raté un truc. Qu'est-ce que j'ai. Où est-ce que je suis pas allé? Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, non, d'accord. Mais j'ai buté tout le monde. Qu'est-ce qui m'emmerde? Au début? Ah. Ok, là j'ai tout. Ah oui, en bas. Mais non, je suis allé en bas. Ou peut-être pas. Non, donne-moi ça, je l'ai vu. Ok. J'ai tout mangé. Parfait. Alors par contre là j'ai vraiment plus de bouffe, hein. Va falloir qu'on trouve de quoi se faire à manger. J'ai bien fait de faire de la place dans l'inventaire. Mais il voulait qu'on lui trouve des crânes ou des clous.
des trucs comme ça. J'ai plus de place d'inventaire. Après, je dois avoir de la merde à virer, mais... Ah oui, c'est vrai qu'on récupère pas mal de graines. Ça, je m'en souviens, par contre, qu'on récupère masse de graines dans les souterrains. Est-ce que c'est logique ? Non. Ok, deuxième étage. Donc on va voir s'il n'y a pas un petit peu de loot qu'on peut récupérer avant de se barrer. Pourquoi Z ? Ça fait trop longtemps que j'ai pas dodo ? Ça doit être ça. Hein. Ah, attendez, les étagères à livres. Est-ce qu'il y a des trucs à l'intérieur ? Non. Ça, ça ne s'ouvre pas. Je veux ce merdier là. What? Ok, ça peut bugger. Hein. Ça déconne un petit peu ça. De quoi je me débarrasse? Oh, j'ai pas vraiment besoin de... Si, attendez, j'en ai besoin. J'ai une quête, toi, avec une potion de soin, non? Ok, suicidons. Mourons. Voilà, tuez-moi! Pourquoi est-ce qu'il est bugué comme ça, ce machin? Ah là, merci. C'est la mort. Vous êtes mort. Du coup, faut qu'on aille à l'entrée de la forêt. Mais où est la forêt? Déposer un peu de merdier. Alors, est-ce qu'on a des trucs qui se mangent? Non. Mais j'avais une quête, hein, je crois. Boîte chauffe, prospectus, journal, sang, clou ensanglanté, carottes, choux, betterave, citrouille de qualité argent, papier, encre, pot de miel, cimite. Trouver le tampon? Bah non, apparemment pas, en fait. Ok. Du coup, je vais déposer ça. La forêt, c'est pour le zombie. Par contre, je vais rebooter mon jeu aussi soon. Parce que j'ai l'impression d'avoir plus de frise qu'avant. Ok, fabrique ça. Et du coup, est-ce que j'ai des trucs à planter là? Genre ça. Du blé. Du chou. Des carottes. Non, mais mêlée. Oh, putain, t'es trop con. Mêlée où il y a des trucs. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Ok. Du coup, je dépose ça, 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 ça. Ok. Et donc, si on regarde. Forêt près de la rivière. Forêt près de la rivière. À l'entrée de la forêt, hein. Trouver les zombies dans les débris à l'entrée des bois. Dans les bois. Colline aux sorcières. C'est possiblement ici en haut. On n'est pas du tout allé voir le camp des gitans par là-bas. Ici en bas, il n'y a rien du tout. Les marais, il n'y a rien. Et à gauche, là, il n'y a rien non plus. Donc on va partir full droite. Au nord de l'église, t'es sûr? Ah non, mais il y a un vrai camp de gitans, Elix. Hein. De mémoire, ouais. Attends, on va aller voir. On va aller voir.
récupère des œufs aussi ici. Œufs frais. Merci. On peut acheter des œufs. On peut acheter des plumes. Mais j'ai plus de thunes. Donc bon, voilà quoi. Il y a moult points de pêche un peu partout. Et si mes souvenirs sont bons, quelque part par ici. Voilà. Je sens une odeur très appétissante. Voilà. Si vous cherchez quelqu'un pour vous lire les lignes de la main, vous devriez essayer en ville. Tout le monde là-bas lutte pour essayer de gagner assez pour s'acheter un morceau de pain. Ça sent vraiment bon. Qu'est-ce qui sent si bon? Oh, ça vous met l'eau à la bouche, hein? C'est ma brochette. Tu veux goûter ma brochette? C'est une vieille recette familiale. Apportez-moi de bons filets de poisson, je vous montrerai comment faire. J'avais souvenir qu'il y avait plus de monde qu'une personne. Mais voilà. Du coup, là, je suis au campement. On va aller voir à droite, il y a encore des nuages vers la droite. On va aller voir vers la droite. Avant, quand moi j'y jouais, donc quand le jeu venait de sortir, ici c'était bloqué, c'était écrit bloqué pendant la bêta, je crois. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors là, il n'y a rien. Là, c'est inaccessible. Là, c'était cette barrière-là. Quel est cet endroit? Le chemin mène au fort de la montagne, entrée interdite. Voilà, donc ça, il n'y avait pas du tout, comme moi j'y jouais. C'était juste indiqué pas présent dans la bêta. Il n'y a rien. Ok, il n'y a rien d'autre par ici. Mais ça pourrait être ça, les bois aussi. À l'entrée des bois, dans les ruines, c'est ça? Dans les débris à l'entrée des bois. Peut-être pas proche du village, peut-être effectivement plus au-dessus de l'église. Parce que, ah oui, il y a des ruines effectivement au-dessus de chez nous. Ici, c'est le forgeron, c'est le bûcheron. On n'a pas le droit de couper des arbres. C'est quoi chez lui? Okay, ça y est. Bon, après c'est la nuit, je peux peut-être pas rentrer passer la nuit. Je pense que ça... J'ai le droit de faire ça moi? Ah, ça doit être l'apiculteur lui. Ok, bon allons voir du coup au-dessus de chez nous. Ce qu'il s'y passe. Peut-être que la pêche serait pas une mauvaise idée pour se faire de la bouffe. Hein. On doit lui amener. Astrologue, serpent, marchand avec Agnoric, Cloto, Gardenfar, des mythes. C'est pas encore les asticots qu'on a trouvé, les mythes. Ah ça par contre, ça c'est de la bouffe. Bonjour Lexou. Comment ça va? J'en ai fait quoi de mes asticots? Ils sont là. Non c'est des asticots, c'est pas des mythes. Il faut 5 pots de miel pour le SDF. J'en ai qu'un pour le moment. Qu'est-ce qu'il me faut ici? 10 de sable pour fabriquer un jardin de pierre. Ici. Ici qu'il doit y avoir le... Vous partez demain, Alexou? Profitez bien du coup. Pas dans celle-là de ruine. Ah, du sable, c'est ça que j'ai besoin. J'ai pas la techno. Est-ce que je peux débloquer la techno? C'est vrai que j'ai eu des points en plus. Ah voilà, récolte de mythes.
Ça, je vais avoir besoin. Dimanche, ok. Eh ben, profitez bien. Construction, cuisine, agriculture, nature, écriture, théologie. C'est... Enclume 2, talent costaud. Talent bûcheron, vous savez vous servir d'une hache. Vous pouvez obtenir une bûche supplémentaire en coupant un petit arbre. Vous pouvez également obtenir plus de bois en chauffe, de chauffe et de piquer à partir des bûches. Ok, ça c'est pas déconnant. Matériaux précieux, c'est peut-être pas pour tout de suite. Morceau de marbre, grand morceau de marbre. Je sais pas encore quand l'exo. Là, je t'avoue qu'avec les grèves, c'est un peu la merde. Donc on va peut-être voir comment ça se passe en fonction des grèves, l'exo-lex. Parce que là... voilà quoi. Maître récolteur, vous aimez la nature et la nature vous le rend bien. Vous pouvez récolter plus de ressources sur une petite plante. Talent fermier. C'est pas dans l'écriture, ça doit pas être dans la théologie non plus, je suppose. Oh, je sais pas. Vrai mécano. Bon, cherchons notre zombie là. Ça, c'est mon église. Pas juste parce que t'as pas fait de pelle. Si, j'en ai une de pelle, hein. J'en ai une de pelle. Attendez, il y a du miel ici. Faut peut-être une pelle 2, c'est possible. Ouais, j'ai pensé à la tech de verre, mais c'est pas indiqué qu'on peut récolter le verre avec. Le sable avec. Mais peut-être, ouais. Et par contre, je peux prendre la récolte de champignons. Je vais prendre le verre. Et je voulais prendre aussi la récolte de champipix. Et je peux prendre jardinier. Vous n'avez pas peur de vous salir les mains. Vous savez sélectionner les bonnes graines et comment obtenir de meilleures récoltes. On va prendre ça aussi. Et la mythe, on prendra après. Ah, c'est sûrement l'endroit où m'a parlé Gunther. Je devrais me mettre à la recherche de ce zombie. Ah oui, regardez, on est en train de le déterrer. Vous avez dévoré une nouvelle technologie et obtenu recette. Commencez à construire la scierie. ok, je fais quoi avec lui, moi? J'ai trouvé mon zombie. Ouais, il fait dodo. Mâle, fourneau, enclume en bois, enclume, réserve de bois, chevalet, bio, établi à bois, scie circulaire, réserve de pierre, coupe pierre. Mais c'est où je le construis, mon... Plus qu'attendre l'orage, exactement. C'est où je le construis, mon atelier à... Par contre, il est passé où, mon fer? Je l'avais lancé. Il est où? Je l'ai ramassé? Peut-être. Je vais aller voir dans la morgue. Hein. C'est peut-être là-bas que je craft. Il n'y a pas de niveau de fraîcheur, donc je pense pas qu'on va le dépecer. Ça me paraît très con de le dépecer. On va le laisser là. Il n'y a pas de niveau de fraîcheur. Ce serait ici, peut-être. De préparation, non. Mélangeur à main, table d'études, établi d'alchimie, broyeur alchimique, établi d'église, bureau, étagère de parchemin. Donc non. Bureau des sombres dessins, mais ça, non, ça c'est Vanilla, donc c'est pas ici. Ce serait là qu'il faut que je construise.
Qu'est-ce que t'as, Birgund? Parlez-moi des ingrédients du rituel de ressuscité. Le premier est une sorte de poudre, je ne sais plus trop quoi. Le second est du sang. Mais c'est pas ce que je veux, j'aimerais savoir où est-ce que je fais tout ça, moi. Ah, peut-être le lui ramener? Ouais, c'est possible. Ça me paraît étrange parce que je peux le dépecer. C'est, bah écoute, pour le moment, ouais, c'est cool. Pour le moment, on n'a pas vu beaucoup de nouveautés, à part ce que je suis en train de porter sur l'épaule. Mais oui, je joue toujours aussi beau, aussi bien, hein. Très clairement. Et pas parler de l'établi d'alchimie, peut-être. Effectivement, c'est possible. Et pour l'établi d'alchimie, il faut du verre avancé. Ouais, non, s'en fout. Il s'en fout. Bah, il faut que je voie pour construire l'établi d'alchimie, alors. Dans ce cas... On va le laisser là pour le moment. Alors, pour l'établi d'alchimie, il me faut du fiole conique avancé. Chose que je n'ai pas encore. Parce que les fioles coniques avancées... C'est là-dedans, je suppose. Voilà. Il me faut 30 de bleu. Il me faut fourneau 2 ou fourneau 3. Il faut que je réussisse à récupérer du verre aussi. Peut-être que passer sur la pelle 2, ce serait dans quoi? Pas dans construction, ce serait ici. Il faut peut-être ça du coup. Et pour ça, il me faut un peu plus de bleu aussi. Ok. Quel jour on est? Ah ben, jour de la lune demain. Parfait. Ok, Lexou. Ouais, je pense que ça peut attendre, oui. Ah, je peux faire... Non, je vais pas consommer mon miel. Je peux rien faire ici. Je peux rien faire d'autre. Bon, je vais dormir. Je vais travailler un petit peu mon fer. Non, je vais aller voir si je peux récupérer du verre. Du sable. Là, on est d'accord, je peux pas me fabriquer d'autres outils. Non, pelle 1. Et c'est pourtant ce que j'ai. Même si tu ne fais plus trop de Tarkov en ce moment, est-ce que tu ne serais pas intéressé par faire une petite purge de Noël avec Sky et compagnie? Alors, il y aura du Tarkov fin décembre et début janvier, parce qu'il y a un event. Alors, je n'ai pas le droit de vous en dire plus. Moi-même, je sais même pas trop ce que ça va être exactement, mais il y a un event avec BSG auquel je participe début janvier. Je sais pas du tout si ça va être bien ou pas. Putain, mais technologie requise! Quelle techno! Bonjour, Suprême. Bonjour, petit buzz. Ah, attendez, là on a la recette zombie bûcheron. Ça va être intéressant. Non mais ça doit être par ici, non? Zombie mineur, putain, ouais, il y a des trucs bien. Graphite, mineur, mais pourquoi est-ce que je peux pas récolter juste du fucking sable? Peut-être les outils en acier. Peut-être. Générateur de texte aléatoire. Les zombies qui font des textes.
Oh, je sais pas trop. Parce que du coup, je peux pas faire l'alchimie tant que j'ai pas de sable. Hein, parce qu'il me faut du verre. Après, je peux peut-être en acheter du verre quelque part. Du coup, on est début de journée. On va récolter un petit peu de bois. J'ai plus de bois chez moi. Ah, mais mes arbres ont pas poussé ici. Merci beaucoup Creed pour les 16 mois, re-bienvenue. Merci beaucoup, ça fait plaisir. A deux et Guy, salut à deux et le chat. Voilà, c'est fait, après plusieurs années à te suivre, j'ai enfin craqué, j'ai acheté EFT, je kiffe et je te remercie de m'avoir fait découvrir le jeu. Eh bah tant mieux pour toi, à toi tout va bien. Merci beaucoup pour le resub. Merci beaucoup. Le sable est lié à l'histoire. Ah, faudrait que j'avance un petit peu dans... Ok. Donc il faudrait que j'amène... Ah oui, on a le truc de la lune. Le truc de la lune, on doit aller amener le bouquin au Wyok. Donc demain. Demain, on doit amener le bouquin au Wyok. On va faire passer le temps un petit peu. On va récupérer... récupérer ça. J'ai trouvé le zombie, ouais. Qui ne fait rien pour le moment. J'ai moult de fer. On va se faire un petit peu de clous. Dépenser un peu l'énergie. Un peu de pièces en fer simple. Je dépose ça et ça et ça. On va dodo et au réveil on va pouvoir aller parler au Wyok. Ah, pas tout à fait. Il y a de la nuit, pas tout à fait. Ah bah bon appétit hors suprême. Putain, j'ai commencé à regarder les vidéos de Ici Japon. Alors j'ai jamais été quelqu'un qui est très intéressé par le Japon. Je regarde pas d'anime, je suis pas spécialement intéressé par la culture japonaise. Alors putain, il me donne envie d'aller au Japon juste pour la bouffe. Vraiment juste pour la bouffe. Moi j'adore le poisson. Ça me donne putain d'envie d'aller au Japon juste pour bouffer. Si je vais là-bas, vous en faites pas que ce serait pas pour ça. De toute façon, si j'y vais, c'est pas tout de suite, mais ouais. Ouais. Chacune de ces vidéos me donne faim. Et même pas forcément les burgers, je suis pas un ultra accro au burger. La vidéo burger qu'il a fait, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus, mais alors par contre, la bouffe japonaise. Ok, on dépose tout ça. Et bon, dirigeons-nous vers le phare. Putain, YouTube, ça fait 2 plombs et demi qu'on est ensemble. YouTube, pouce bleu, commentaire, abonnement, si tu as passé un bon moment. La cloche et tout ça. On se retrouve bientôt pour la fuite. Au revoir YouTube. Salut YouTube. Bye bye YouTube. Ciao YouTube.